Genre ouais. Là, les trois compétences. Ouais, parce que là, je savais pas trop quoi répondre. Donc moi, je suis formatrice en communication digitale. Donc j'aide les entrepreneurs, les dirigeants et même les salariés à gérer les réseaux sociaux et les sites internet. Pas du tout. Moi, c'est le statut de salarié m'allait très bien. Donc, j'y pensais pas du tout. Alors, pour le premier projet, honnêtement, c'était pour aller métier passion. Et le deuxième, c'était le ras-le-bol du fait qu'on sous-estime mon métier de community manager. Pour le tout premier projet, donc, j'ai été directement à la mission locale qui m'a redirigée vers Cité Lab et j'ai été aussi vers la CCI. Donc, pour le deuxième projet, en fait, j'ai été directement vers Nicolas Meunier de Cité Lab et Aurélie Dommage de la CCI. De la motivation, rester soi-même et puis aller au-delà de ses compétences. Le plus dur, c'est sûrement, à titre personnel, m'organiser pour tout mettre en place, parce qu'être entrepreneur, c'est gérer vraiment les différents aspects, comptable, dirigeant, et ça a été le plus dur. Bah, le plus fun, c'est on est dans notre domaine, on découvre énormément de choses, donc c'est vraiment une toute nouvelle aventure, et ça, c'est fun. Entourez-vous de personnes qui soient professionnelles ou non, il faut vraiment bien s'entourer pour bien avancer. Thank you.